Et puis voilà, je suis à cette taille-là pour l'instant. Ça, c'est brillant. Ça, je trouvais que comme c'était de peinture sous eau, je trouvais le côté haut, le côté brillant était important. Donc j'ai voulu essayer cette technique-là et je mets un composant qui sèche après 24 heures et qui donne ce côté brillant, haut, comme vous voulez. Hein. Mais là, je prends une fois. C'est ma première toile. J'ai fait des mois de fête. Je ne fais pas de fleurs. Et en sous-eau, voilà ce qui est arrivé. Donc c'est que l'esprit, voilà, on se sent libre, on se sent relâché sous l'eau, on se sent près de la nature, on se sent en parallèle avec la nature. On est dans sa bulle. Et au niveau de vos thèmes d'inspiration, ça vous est sur ça, parce que vous n'avez pas spécialement choisi la table, la toile, la toile. Là, non. Vous avez une idée si vous passez dans la mer et vous trouvez la neige, comment vous réagissez? Pardon? Avec la neige, est-ce que vous pourriez faire ça aussi? Ça ne me parle pas. La neige ne parle pas. Vous êtes une femme d'eau, de voilà, mer, voilà. Ouais. De vagues, d'eau, mais non, ça ne passe pas. Non, j'y pense pas. Je pourrais essayer, hein, mais je ne vois pas. Non. Ah, vous avez une attirance des poissons. L'eau, le poisson, c'est la même chose. Oui, le poisson, c'est important. C'est ce côté. C'est qu'on est, transporté. Voilà, on est transporté. Et on se sent léger. Et quand vous baignez à la mer, là, je suis en mer. Oui. Et vous êtes où exactement? Nord, sud? Là, je suis en Espagne. En Espagne. Oui, je suis en Espagne. Je n'ai pas encore essayé la mer du Nord, parce que je plonge en mer du Nord, mais en mer du Nord, mais on ne voit rien, c'est très... Il y a du sable, il y a du mouvement, donc je vais très peu. Et ce qui m'inspire aussi, c'est la lumière. Là, je le fais aussi quand il fait beau, justement parce que la chaleur, la lumière apporte énormément dans l'eau, il y a ce reflet. Espagne, vous êtes attentif?